Salut, station fréquence, les bonnes sur 1351 à vous tous. Allez, c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Et j'ai fait un faux départ. On l'a refait, voilà. Salut les stations fréquence, les bonnes sur 1351 à vous tous de la part du lundi 33. Et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Donc on est le samedi 27 août. Voilà, bon, avec la propagande qu'il y a, ce soir, ça va pas être gagné non plus, quoi. Bonsoir Michel, merci d'avoir répondu. Ouais, je crois que là, ça va se terminer en queue de poisson, là, comme hier soir. Quoi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'est quand même parlé, donc c'est le principal. Ben voilà ce qui annonce officiellement le départ, le commencement du QSO. Merci de ton petit passage, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est ton collègue que je vais vous voir, il a... Ah, il y a un Roger Beep, oui, en avant le Roger Beep. Oui, le Roger Beep en avant. Apparemment, il a que le Roger Beep qui fonctionne. Ah, c'est un bon début. Après, il apprendra à parler. Ou peut-être qu'il n'a pas trouvé de quel côté, il fallait parler dans le micro. Ah, je croyais que Michel allait reprendre. Ok, les bottes 73. Oh merde, Eric, désolé. J'ai eu un trou là sur le coup. Eh ben, je sais pas ce que ça va donner ce soir, parce que j'ai l'impression qu'on a la même propagande là qui nous fait chier en BLU là ce soir. Tout à l'heure, j'avais des pointes à Santiago 5-6 là de montée de QRM propagande. Là, c'était pas triste. Je me suis dit, là, c'est pas gagné quoi. Pas de problème, le QRA est en train d'arroser des fleurs. Hachi! Eric, tu m'as pas dit si t'allais toujours au stade de QRM? Un peu moins qu'hier soir, il y en a encore un peu, mais un peu moins qu'hier. C'est vrai que là, j'arrive quand même à vous sortir. Tu m'as reçu, Michel? Enregistre le break. Ok, il y a eu un break, donc avec la permission du groupe, en avant le break, les bonnes 73 à toi, chameau. Ouais, les bonnes 73 à toi, Dendy. Voilà, je suis passé hier soir, là, sur le... Je suis passé hier soir, là, sur le...
sur le 27-275 là. J'ai vu qu'il y avait personne, voilà, il était sur le coup de 10h30 je crois, un 30 ans. Voilà, j'ai essayé de voir sur le 270, personne aussi, 280 personnes. Bon, mais ça arrive, ça arrive. J'ai vu qu'après sur le groupe, vous avez été obligé de quitter le QSO. Ok, ok. Voilà, voilà. Les bons 731 à Eric. Les bons 731 à la tour de contrôle que j'entends bien. Hein. Voilà, je sais pas s'il me reçoit. Allez, à vous, là, à la tour de contrôle, si vous me recevez de l'opérateur Forain. Ok, bon mais d'accord, pas de problème. Bon mais vous vous recevez nickel, ok. Allez, à toi Rémi. Ah si, j'ai été là hier soir donc aussi sur le canal 8 là, voilà, PNR, et donc du coup, ouais, voilà, enfin bref. Et donc du coup, canal 8, j'entendais du monde là, voilà. Ah oui, c'est possible ça? Attends deux secondes. Oui, la station qui a lancé le break derrière dans le lointain. Je ne sais pas si c'est le Portugal ou l'Espagne. Les bandes 73-51 à vous du sud-ouest de France, là, le QSO national du canal 27. Ok, d'accord, non, parce qu'on a eu un OM du Portugal qui est passé sur le groupe, justement, qui nous a envoyé les 73-51 tous en plein sur l'annonce, justement, du QSO de ce soir. Alors, je me suis dit, tiens, ça sent l'OM qui va essayer de nous avoir. Ok, je crois qu'il y a Chameau qui est arrivé. Je sais pas si va le temps, Chameau, mais je lui envoie les 73-51, Chameau. 14, Victor et Corel 7, salut à toi. Ok, les 27-51, Eric, là, apparemment, lui, il ne doit pas m'entendre par contre. Moi, j'entends bien, je t'entends bien, voilà. Voilà, voilà, je t'entends bien. Je t'entends bien, Eric, les 27-51, retournez à toi. Ok, j'ai entendu que le Roger Bip, voilà, j'ai pas tout compris, voilà, je suis désolé, ça va, mais j'entends que tu parles, mais je déchiffre vraiment pas beaucoup, voilà. Ok, mais c'est normalement prévu, non mais il y a quelques mots que je ne vais pas répéter, c'est normalement prévu là, début septembre, ouais, enfin tu dis le 4, mais bon, tu sais, hein, c'est pas réglé comme une horloge, ça. Ça peut être une semaine avant, 15 jours avant, ça peut être demain dans la nuit, ça peut être, il est viable là maintenant, et avec la chaleur, un ananas meurt. Voilà, je vais plutôt dire ça comme ça, quoi. Ok, voilà un petit peu Eric pour résumer. Merci pour le question. Ouais, là, je comprends tout à fait. Hein. C'est pas programmé comme ça. C'est pas en claquant les doigts, je sais bien. Voilà. J'ai confirmé deux fois déjà, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, retour à Michel derrière. Mais il me semble tout à l'heure, j'ai entendu un bip, on aurait dit notre ami Jolu. Mais je ne suis pas sûr. Canard.
et surtout pour acheter des petits biens à l'entrée. Parce qu'il y en a qui vont ici sur Skype et on ne peut pas en placer une. Oh, ça, alors comment ils sont? Et là, ils sont méchants quand même. Hein. Il y a Michel de Toulouse qui expliquait sur la fréquence. Et il m'a dit, comme j'entends pas tout, si vous changez de fréquence, tu m'as écrit sur Skype, que je puisse vous suivre. Mais oui, c'est normal que je comprends, c'est un peu normal. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. Parce que cette année, rien n'a poussé. Hein. Que ce soit côté herbe fruitier, comme côté jardin, je vois dans le voisinage, c'est pareil. Cette année, c'est rien. Ça manque d'eau. Ouais, il n'y a pas que ça aussi. Hein. Je sais pas, c'est le climat qui est bizarre. Je vois, j'ai un cerisier, mais si on en a mangé allez, une dizaine, tout, au grand maximum, ça a été tout. Le pommier, on n'a même pas le temps de les voir passer que déjà elles sont par terre. Le prunier, eh bien, il y en a eu une ou deux, c'est tout. Le poirier, si, un petit peu, mais bon, c'est pas terrible. Côté jardin, ben, c'est négatif. Ah, ben ouais, ça pousse pas avec ces chaleurs. Mais moi, je vois cette année, là, j'ai planté des sèves, là. Ah, que dalle, hein, j'ai ramassé quoi? 3 galettes, pas plus. Ah ouais. Ah au fait, pendant que j'y pense, le week-end prochain, on sera pas là, je serai pas dans le QSO, puisqu'à partir de lundi, je suis en vacances, à Chy. Alors le week-end prochain, donc j'essaierai de faire le QSO depuis où, je sais pas. Aucune idée. C'est, d'après ce que m'a dit YL, on partirait vendredi matin. Quelle direction? Je sais pas, peut-être un petit tour du côté de l'Australie ou du côté du Québec, histoire d'aller chatouiller les pieds agiles, ou on sera plus sage, on restera en France. Non, je déconne. On va aller du côté de la Charente-Maritime, visiter un peu là, quelques coins par là-bas. Hein. Et puis voilà quoi. Donc je serai pas dans le QSO, ni vendredi soir, puisqu'on part vendredi matin, et ni samedi soir non plus. Là où le vent t'apporte. Ah, j'ai la station qui sera embarquée. De toute façon, j'essaierai d'être actif depuis le point où je serai, quoi. Je crois que j'ai repris le micro trop vite. Alors c'est donc qu'on a parlé en même temps. Ok, je reprends. Ok. Ouais Eric, Michel, je dis donc que le week-end prochain, on ne sera pas là. On sera... je serai en vacances dès lundi, là je suis en vacances. Et donc vendredi, ben, on décolle, on devrait être du côté, là en Charente-Maritime, de ce côté-là. Donc j'essaierai d'être actif depuis là où on sera quoi. Mais bon, sur le QSO de la Gironde, je pourrais pas y être en tout cas.
Retour Eric, n'importe quoi. Retour, non pas n'importe quoi, Hachi. Retour Thierry, parce que on a dû parler en même temps comme c'est là. Non, c'est bon, c'est bon, j'écoute. Bon, c'est bon, si t'es pas là vendredi ou samedi, on va s'en charger. Eric, il va passer, c'est lui qui va faire le patron vendredi. Voilà, allez, ça y est. T'es déclaré vice-président, Eric. Tant pis pour toi. Alors, moi, je suis vice, rien du tout. Trop tard. C'est la tour de contrôle. Ah oui. À côté de ça, je ne vois pas en fond. Mais de toute façon, on ne sera pas tombé. Qu'est-ce que je veux dire? Mais on en parlera demain. Tu feras que tu essayes de te mettre sur le 455 au moins. Qu'on puisse faire occuper le QSY et puis qu'on puisse discuter depuis ton terrain de vacances. Oui, il y a eu un break. En avant le break. Salut Dolly, 73 Dolly. J'ai bien entendu et c'est même enregistré, tu vois, il y a des stations qui disent, comme là j'ai répondu à un OM sur un autre groupe, là sur Facebook, soi-disant la CBI c'est mort en France, il n'y a absolument plus personne. Eh bien tiens, tu es un de plus qui prouve le contraire. Merci de ton, justement, là, de ton petit compte-rendu, là, justement, là, au niveau de la CBI. Eh ben oui, hein, c'est vrai que j'ai passé une semaine de ce côté-là aussi l'année dernière. Et tous les jours, j'étais en QSO. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ok, vas-y, Eric. Par contre, ce qui est assez mort à fond de la vie, c'est
Avec les équipes, il y a ça parle. Et je bafouille, moi. Eric, il y a Chameau qui passe en QRT car il est au pro, il envoie les 73-51 à tout le monde. Ok, Chameau, bon pro et à la prochaine. Ok, bye bye bye. Voilà. Au niveau local, Ludovic, ce qui est intéressant d'avoir, c'est un poste avec un scan. Et là tu te fais pas chier, moi c'est ce que j'ai fait, hein. À chaque fois, tous les jours j'étais en mode scan, et tous les jours j'ai attrapé du monde, hein. Voilà, hein. Et c'est vrai que bon, quand on n'a pas cette fonction sur le poste, eh bien on n'a pas trop envie de tourner sans arrêt les canaux, et ce qui fait qu'évidemment ça donne l'impression qu'il n'y ait personne. Mais dès que tu as la fonction scan, alors là c'est génial, hein. Tu débusques tout le monde là pour le coup, hein. Ouais, bah comme là, tu vois, là, on prend la route là vendredi matin. On va visiter un petit peu la Charente maritime à partir de Port des Barques à remonter. Tout ça, là, on va faire tous ces coins qu'on connaît pas. Enfin, je dis qu'on connaît pas parce que ma femme est charentaise. Voilà, donc elle non plus. Il y a pas mal d'endroits qu'elle connaît pas de ce côté-là. Donc, eh bien, ça va être l'occasion de les découvrir ensemble. Et là, sur le 7009, eh bien, il va être constamment en scan là sur les 40 canaux. Et puis, quand je serai en arrêt là, en point fixe, un truc comme ça, oui, j'irai faire un tour en BLU, bien évidemment. Hein. Oui, Michel, je serai aussi sur le 555, il n'y a pas de problème. Mais suivant où je serai, vendredi soir, samedi soir, je viendrai sur le 275, hein, bien évidemment. Hein. Ok Michel, à très bientôt à Chitroicou. Ok, tu as entendu Florian tout à l'heure là de Quinsac, oui c'est ça. Je sais pas, retente, enfin t'es pas trop sûr, retente pour voir si des fois il attendrait derrière la porte. Ouais, Florian de Quinsac, si tu veux copier. Ah, il a dû partir à mon avis. Peut-être gestion de la Noire qui parle là, non? J'ai entendu un retour bip. Eh bien, ça vient entendre parler dans le QRM, là, c'est très lointain, un Roger Beep simple, hein, soit, je sais pas, soit un Roger Beep de Jackson ou de Superstar, enfin, ce genre de Roger Beep, là, que j'ai entendu.
Non, non, non. Bon alors, est-ce que tu as pu faire quelques contacts là aujourd'hui, Eric? Par le local, c'est tranquille, les habitués. Sinon, là, après la journée, je n'ai pas fait beaucoup. Ok. Bah tiens, hier soir, après le QSO, je suis monté, je suis descendu vachement plus bas. Putain la vache, sur le 3 mégas et quelques, j'avais 9 plus 10 de QRM. Hein. Oh la vache, je voulais faire les grandes oreilles par là-bas. 9 plus 10 de QRM, je me suis dit, c'est même pas la peine. Du coup, je suis remonté jusqu'au 555. Et là, j'ai entendu... Ensuite... Ah bah ça y est, le temps de sortir ma frange, j'ai zappé. Bon bah tant pis, il y avait des îles qui passaient en tout cas. Ouais, ça a entendu un petit peu de vent, voilà. Et c'est vrai que hier soir, c'était pas formidable avec les QRM. Moi, c'était impossible, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Oh oui, non mais c'est compréhensible. Hein, et moi, tout à l'heure, c'était mal barré aussi. Hein. Là, j'avais des montées de QRM, là, de propagation AM qui m'allaient à Santiago 5, Santiago 6, je me suis dit là, ça va être short. Hein. Là, à part les stations très locales, c'est tout ce que je vais entendre. Quoi. Et puis bon, ça a descendu. Mais j'ai quand même pas mal de bruit derrière. Hein. J'ai pas entendu notre ami de Saint-Morillon aussi ce soir. C'est un petit vent de froid qui se trouve là. Ah, moi non plus, là je tendais l'oreille, mais non. Puis là, bon, j'ai un Santiago 1 de QRM, bon, ça va encore. Mais non, j'ai pas entendu là. Ok, bon, Ludo, alors raconte-nous une petite petite vacances, ça s'est pas bien passé. Ah, ouais, super, hein, la Bretagne, c'est pas mal, hein. On a pas eu trop chaud, en plus, c'est ça, dans la route sur Bordeaux, là. La nuit, c'est pas mal, et puis la journée, bon, ça reste pour 27, hein. Pas de problème non plus.